Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pupup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Final Fantasy XIII. La dernière fois nous avons battu le boss Rain. Et du coup maintenant on va continuer l'histoire, on est toujours sur la cinquième arche. Avec Lightning, Vanille et Feng. C'est parti. On active. Alors, hop là, deux nouveaux ennemis. Bon, ça va aller vite ceux-là. Ah, il faut juste les battre rapidement avant qu'il n'ait le temps de s'auto-détruire. Allez, un de moins. Ah, il en reste un. Ouais. Ok, c'est bon, on a le temps de le détruire avant qu'il se passe en autodestruction. Et voilà, impeccable. Ok pour eux. Allez, on est arrivé au confluent central là. Alors, à nouveau deux chemins possibles. On peut prendre soit par là, soit essayer de battre les quelques ennemis là-bas. Ils sont 3. Ils se battent entre eux peut-être. Ce qui fait qu'on va pouvoir les surprendre. Bon, eux on va les empêcher de fusionner déjà, on va commencer par ça. Voilà, c'était très rapide. Ok, nickel, on passe par là du coup. Bon, on va continuer par le chemin principal. Pareil là, il y en a encore qui se battent. On va commencer par eux. Le but étant toujours d'éviter qu'ils passent en fusion. Oula, oula, mais attendez, hop là. Allez, encore un. Allez, les deux chevaliers de pulse maintenant, il nous reste. Alors, on va faire un petit tour par renouveau par contre. On va sur les Feng. Et ensuite on va ranimer Vanille. Mal joué là. Et hop, polyvalence et on reprend. Alors on a failli perdre ce combat, donc là je suppose que je vais avoir une mauvaise note. Parce que du coup je perds pas mal de temps. Huh.
Allez, hop, il va te choquer, lui. Allez, encore un. Non, pardon. C'était pas ça la jouée, c'était polyvalence. Allez, hop, choqué. Agression, on termine et on en parle plus. Voilà. Bon. Voilà, forcément mauvaise note. Alors. I guess they don't train Lassie to make peace. Ok. Alors, pas mal d'ennemis. On va commencer par eux. Je sais pas trop si c'est tout le monde d'un coup ou si c'est juste eux d'abord. Juste eux. Oula, ils sont déjà tous sur l'autodestruction. Bon, raté. How can it end like this? On recommence. Enough of this. On va essayer d'en éliminer un ou deux avant qu'ils s'énervent trop. Hop, voilà, un de moins déjà. Hop, deux en moins. Alors, on a encore un là. On va essayer de diminuer. Voilà, avant qu'il s'auto-détruise. Ok pour eux. Et on a trois robots ensuite. Alors eux par contre a priori on doit pouvoir les surprendre. Ce qui va nous permettre d'en éliminer assez vite. Allez, on en a un choqué déjà. Deux choqués. Et plus qu'un robot, on va juste attendre que Vanille ait le temps de soigner un petit peu. Et on va pouvoir s'énerver contre le dernier chevalier de pulse. Allez, hop, on va choquer maintenant assez vite. Allez, hop, voilà, ça y est, il est choqué. On va donc maintenant pouvoir le terminer. Voilà.
trésor à récupérer, rien. Ok, on continue. Nouvelle salle. Avec, oh, des trucs que j'aime pas. Bon. C'est pas trop grave, on les a déjà battus ces machins là. Zut, je suis en alerte. Je sais pas trop s'ils sont dans un seul combat tous ensemble. Bon, sans doute que oui. On va d'abord commencer par ça. Ça, je me rappelle que ça nous avait fait très mal la dernière fois, donc on va le battre assez vite. Avant de s'attaquer au robot. Let's go. Allez, on va s'attaquer du coup au robot. Ils nous embêtent un petit peu avec leur tornade. Allez, on va finir le premier assez vite. Mince, on a perdu Feng du coup. Ok, allez, plus qu'un. Alors, on va essayer de le choquer assez vite. Voilà. Alors, ok pour eux. On continue d'avancer vers la salle suivante. Cercle, rien par là. Alors, je vois qu'ils sont en train de se battre également au bout, là-bas. Alors, en théorie, j'ai même pas besoin d'aller les battre. On peut passer par là. Alors là, je vois qu'on a un behemoth. On va attendre qu'il se retourne, qu'il repasse en marche arrière. Pour pouvoir l'attaquer par surprise et ainsi pouvoir le battre assez rapidement. Pour l'instant, on n'est pas dans sa zone d'influence. Allez, hop. Et voilà, comme ça, on fait une attaque surprise sur lui et on va pouvoir le choquer aussitôt. Allez, vanille. Voilà, choc.
Hop, et voilà pour lui. Alors, on continue d'enchaîner les salles. À nouveau 4 comme ça. Allez, comme la dernière fois, on essaie de passer le plus vite possible. Dans l'éliminer le plus vite possible, surtout. Hop, un de moins déjà, ok. Ok, on en a eu un avant qu'il ait eu le temps de s'autodétruire. Ah, il n'y a que le dernier là. Mais bon, c'est passé, même si on a perdu Vanille d'un coup. Ok. Et on continue à nouveau d'avancer. Ouais, ils sont beaucoup là. Allez, on va y aller furtivement. Ah, on va s'éliminer le grand behemoth rapidement. Ah mince, il est temps de se changer. Bon, l'avantage c'est que pour l'instant on a, comment dire, les autres ennemis qui sont avec nous, donc ça va. Même s'ils nous ralentissent un petit peu. Là vous voyez, ils m'ont bloqué pour le moment. J'ai endormi à cause de... Hop! Allez! Ça disparaît. Ok, c'est bon. Encore une ou deux attaques et ce sera fini pour lui. Ok, alors maintenant on va se faire... celui-là d'abord. Vite, là j'ai besoin de sang. Oula, 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 hop là, au nouveau. Ok, allez, c'est reparti. On va essayer d'en choquer un assez vite. On va l'éliminer de toute façon. Voilà, on va passer au dernier. Et voilà pour lui. Alors là par contre on a deux chemins possibles. Je vois qu'il faut aller à droite pour aller à la suite de l'aventure. Est-ce que par là il n'y a pas quelque chose à récupérer? Alors j'ai un trésor. Ah, c'était peut-être une erreur. Ah, il y a un de ces vaches là. Ah, attendez, je me rappelle. Hop, on a mis Assaut Furieux pour commencer, tant qu'il nous attaque pas trop. Le berserker là.
Ah ça y est, il a lâché son épée. Allez, on va le choquer assez vite. Ok. Alors vaut mieux que je me mette en assaut furieux du coup, parce que comme ça on continue d'attaquer à deux ravageurs. Sinon, Fang, si on a deux attaquants, elle va attaquer l'épée plutôt. On sait pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de détruire le berserker au plus vite. La renouveau tout de suite. Allez, on redonne un peu l'assaut. Elle est embête cette épée là. Allez, on continue, on l'a bientôt terminé lui. Ah, puis ça se fait pour essayer de le terminer assez vite. Hop, voilà, ok. Impeccable, tout ça pour récupérer un trésor. Début ascenseur. Et on reprend notre traversée des différentes salles. Alors. Un petit coup de Crystarium. Voilà pour ici. Fang, il faut qu'elle avance sur son attaquant. Voilà, on a enfin acquis la compétence. Tacticien niveau 1, du coup maintenant sur mes stratégies je devrais pouvoir avoir le rôle de tacticien. On avait dit sur la diversité. Si besoin, il va juste falloir qu'elle avance un petit peu plus évidemment.
Mais maintenant, on va la faire avancer un petit peu sur Ravageur et Soigneur quand même aussi. Et puis, bah, écoutez, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On verra après ce qui se passe quand on prendra l'ascenseur pour la suite. On a fait tout un étage sur cet épisode. J'espère que cet épisode de Final Fantasy XIII vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine.